Allez, on va reprendre la quête principale et on va aller voir le mec qui nous a retrouvés, qui est un ivrogne et qui est au bar Seven Oaks. J'aime cette tenue. C'est toi ? Billy Drennan, je présume. Et vous êtes qui, sale Drock ? Tu m'en connais pas. Ah, c'est vous. Ah. Content de voir que vous allez mieux. D'accord. J'ai appris que vous étiez celui qui m'avait amené à l'hôpital. Merci. Ouais, c'était rien. Tu m'as trouvé où ? Sur la plage ? Il faut aider son prochain. J'allais pas laisser un homme se vider de son sang, non ? Hein ? C'est vrai qu'on sait même pas quelle blessure on a eue. Avec tout ce qui s'est passé, il semble que j'ai perdu quelque chose. C'est un grand objet rond avec des inscriptions. Vous savez ce qui a pu lui arriver ? Vous me prenez pour le genre de mec qui sauve quelqu'un pour mieux le voler ensuite ? Non, j'ai pas dit ça. J'ai pas dit ça. Si vous n'avez pas pris, alors qui ? Dur à dire. Ouais, mais j'ai un tuyau pour vous. Je vous ai trouvé à Calm Shore. Vous étiez mal en point, donc j'ai pas pris le temps de chercher de grands objets ronds. Si vous l'avez laissé tomber, il s'y trouve peut-être encore. Je vais vous dire où aller, c'est pas loin. Bah, j'imagine que ça vaut la peine de vérifier. Ouais. Merci. Attendez, c'est tout ? Vous allez pas m'offrir un verre ? Quel triste monde. T'as déjà une cirrhose ? Bon, allez. Vous avez raison. La prochaine tournée pour moi. Merci bien. Je recommençais justement à trembler. Wow. Faites attention à vous, monsieur. Ouais, il est sympa. Il est sympa. Bon, bah, on va y aller en espérant que nos corbeaux magiques nous aident à découvrir où est passé le seau. Alors, c'est où ? C'est ça, là ? Ouais, d'accord. Mais bon, on va y aller à pied. Bah, on n'a pas trop le choix en même temps. C'est vrai. Allez, on y va. Faire un peu visiter cet endroit pittoresque. Et pauvre, on peut le dire. Un requin. Il y avait longtemps qu'on n'avait pas vu d'animaux marins morts. Voilà, voilà. Là, on peut voir un petit peu... Bah, les taudis. Taudis qui font face à la mer. Une mer... une mer humide. Voilà. C'est un cul-de-sac. Attention, ne me dites pas... si c'est par là, c'est par là. Je sais pas si je pouvais passer de l'autre côté, par contre. Ah bah oui, c'est par là, oui. Ça est confirmé, hein ? Les bestioles ! Attends. Voilà, c'est bien. Ouais, allez, vous noyez, c'est bien. Je t'ai morte. Un point de connaissance, oh là là. Allez, viens. Qu'est-ce qu'il y a ? Viens, n'aie pas peur. Hop là. T'es toute seule, tu fais quoi ? C'est bien, tu n'as pas fui, tu es courageuse. Ce pauvre type a été défiguré. Bah, tu m'étonnes. Attends, il y a des cadavres partout, là. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Burnett a dessiné le même sceau pour invoquer des monstres dans l'Orient Club. Ah oui ! Je me souviens pas, tu vois. J'ai sûrement pas fait attention, surtout. Attention, une dague qui mord. Oh non ! Meurs, vermine. Alors, Hibernaut, on sait pas trop, hein. On aimerait bien savoir, mais... c'est pas trop ce qu'il fait dans la vie, lui, en fait. Quel est son plan ? C'est tellement de mystère. La personne qui a déchiré ça était visiblement pressée. Enfin, il est à moi. Je dois vite rentrer au manoir avant que d'autres obstacles ne surgissent. Ça veut dire qu'il nous a sauvés, alors c'est qu'on s'est évanoui. Harriet, elle est morte, mais nous, on s'en est sortis. Tellement bizarre. Est-ce qu'on va en apprendre plus ? Alors, vous sauvez des gens de la noyade pour vous faire des amis maintenant, Blackwood ? Ah d'accord, il nous a aidés. Les rois jaunes vous choperaient pas ? Les rois jaunes ? Les rois jaunes, c'est des trucs mystiques, non ? Quand un élu vient vous voir, on le revoit plus jamais. Donc on va garder celui-ci pour nous. Finis-le, Karl. Ah, je suis confus. Imbécile ! Vous ne savez pas ce que vous faites. Posez-le ! Il est temps de démêler tout ça.
Les rois jaunes. Alors, vous sauvez des gens de la noyade pour... Quand un élu vient vous voir, on le revoit plus jamais. Donc on va garder celui-ci pour nous. Imbécile! Vous ne savez pas ce que... Mais c'est moi ça ou pas? Oh, c'est moi ça. Blackwood m'a ramené à la surface, mais ouais. Drummond lui a tendu une embuscade. Ils semblent tous les deux penser que je suis un élu. Et maintenant, Blackwood a le sceau. D'accord, Blackwood, il s'est sauvé quand les créatures ont attaqué les mecs. Alors, Billy Drummond est bien plus qu'un simple rival, il a tendu une embuscade. Allez, voilà. Allez, Bernard Blackwood, alors que ce dernier était en train de me ramener du temple. D'accord, d'accord. Il faisait partie des hommes. Et pourquoi il nous a sauvés lui aussi? Pourquoi tout le monde nous sauve? Je ne comprends pas. Allons le voir pour découvrir un petit peu ce que c'est que cette mascarade. Billy! Genre. C'est pas possible. D'autres signes. Qu'est-ce qu'il essayait de me dire? Oh putain, ils sont pénibles hein, les mecs. Bon, il est où, Billy? Oui. Oh, l'enflure. Hop là. Il se trouvait juste là-bas, il y a pas deux minutes, en train de griffonner quelque chose. Je suppose que sa note vient de s'allonger. Autre chose? Vous êtes du coin, vous pouvez me rappeler où se trouve le manoir Blackwood? Le manoir? En quoi ça vous regarde? Il est vide depuis le départ des Blackwood. Voilà. Vous projetez de les voler? Ça peut te foutre, je t'ai aidé, allez. Je suis détective privé, monsieur. Je vaux mieux que ça. T'as pas vu mon beau chapeau? Bah, le manoir est facile à trouver. En haut d'une falaise à Grimhaven Bay, avec une vue de milliardaire. Bah alors? Dites-moi plus sur le départ des Blackwood. J'ai l'air d'un prof d'histoire. Tout ce que je sais, c'est que pendant l'inondation, toute la famille a disparu d'un seul coup. En fait, deux familles ont disparu, les Blackwood et ce qu'il restait des marches. Plutôt bizarre. C'est toi qui es bizarre. Vous pensez qu'ils avaient quelque chose à voir avec l'inondation? Ça se pourrait. Ou alors, ils ont senti le vent tourner avant le reste d'entre nous. Bon. Je ne vous retiens pas plus. Trop aimable, l'étranger. D'accord, donc t'es redevenu un gros connard. C'est incroyable, ça. Les gens ont la mémoire courte. Oh là oui. Bon, le jeu me dit d'aller voir Blackwood, donc on va y aller. Ah, il est là, hein, tout à fait. Mais alors, comment j'y rentre? Ah bah, c'est ça, là-bas. Ouais. Bon, on va passer par là. Hein. Un peu de démêler ce bordel. Hein. Ah, le pêcheur de Rodin. Oh, excellent. Très belle blague artistique, bravo. Beau manoir. Par contre, c'est bizarrement agencé. Hein. La porte, elle est... Elle est à la porte. Quel talent. Blackwood. Est-ce qu'un jour... Génial. D'autres invocations. Ah non. Est-ce qu'un jour quelqu'un va être là quand je le cherche? La porte refuse de bouger. Ouais, c'est pas gagné. Alors, s'il a invoqué des créatures... Non. Oh, tu m'as craché dessus. Je te déteste. Ah, tu es censé recharger rapidement, là, tu fais de la merde. Failli mourir. Plus j'ai de vie, et plus Charles il devient fort, et plus je prends cher dans les combats, j'ai l'impression. J'aurais jamais dû prendre l'augmentation de santé. Je suis sûr que les monstres font plus mal maintenant. Ouais. Oh, le jeu, il fourbe. Tout d'abord... Putain, il m'a fait partout des signes, le salopard. Oh bah c'est hostile hein. Il est déjà mort. Bah youpi la vie. Oh
barrez-vous. Parfait. Oh là là. Tac, alors. Bah ouais. Bah on est bien, un petit piège. T'en as déjà trop. Tenez-moi tous. Ce loot de qualité. Allez. Tout se passe à la cave. Que dalle. Putain. Oh, y a un livre. C'est quoi ça? Non, non, pas encore. Et bien nous voilà bien avancés. Carnet de notes de rituel. Candidat numéro 8, Linda Brennan. Échec. L'extraction de la graine du rêveur a réussi, mais mes sceaux n'ont pu la contenir. Je dois persévérer. Personne ne mérite de porter ce fardeau. Oh. Candidat numéro 9, Judy Ennis. J'ai réussi à libérer la malédiction, mais pas à la contrôler. De me manquer un élément. Candidat numéro 10, Gordon Smith. Encore un échec. L'or de ceux des profondeurs ne suffit pas. Il me faut un autre catalyseur, nettement plus puissant. Candidat numéro 11, Harriet Dog. Je suis arrivé trop tard, mais ce n'est pas la dernière élue. Il y en a un autre. Qui ça peut être ? Évidemment, les Blackwood ont un lieu pour mener des rituels. Bien équipés en plus. Pourquoi il est pas là, putain ? L'œil de Dagon. J'ai déjà vu ça auparavant. Ouais, mais je sais plus où. J'espère que tu te rappelles, parce que moi... Donc Blackwood, c'est un mec bien, hein ? Bon, bon, sauf que... En voulant retirer les graines de l'élu, bon, il tue les gens. Mais bon, ça, c'est un détail. Celle-ci semble plus récente. Déterre-la. Celle-ci semble plus récente. Bon, bah, c'est Harriet. Ah ! Oh, satanée babiole. J'ai besoin d'un catalyseur plus puissant. Quelque chose affecté par Ctigonard. Le sceau ? Oh, ouais. Or ici, Gordon. Le remède à votre mal vous attend. Et donc là, et là tu l'enterres. Tant de tentatives. Ah. Si peu d'élus restants. Ah, c'est pas Harriet. Ah bah non, Harriet, ils ont trouvé le cadavre, je suis bête. Voyons voir ce qu'on a ici. Suis-je bête, Harriet? T'as trouvé dans une marina par des passants. Oh. Donc ça, c'est Gordon. Tant de... Diana, victime fraîche. Si peu d'élus restants. Je dois continuer à chercher. Mais en même temps, si les élus... Il a tué sur quelqu'un, mais l'homme n'y a pas survécu. Il l'a enterré et a décidé de trouver ce qu'il appelle un catalyseur plus puissant. Ouais, moi je dis que c'est le saut. Que voulais-je dire ? Oui, si... d'accord, il veut libérer les élus de leur truc, mais le problème c'est qu'il faut un élu pour sauver le monde, en gros, si je comprends bien. Donc c'est complètement con. Tu leur retires leur graine, d'accord ? Et après tu fais quoi pour le cataclysme à venir ? Hein ? Si encore tu les tuais en mode « je veux que le cataclysme arrive », je comprendrais. Mais là, tu les tues en voulant les aider, et tu t'acharnes, et il n'en reste plus qu'un, et c'est moi. Et j'ai envie de te dire « fous-moi la paix !» Faut que j'accomplisse la prophétie, et puis je suis guéri, non ? Bien sûr que oui ! Bah alors, qu'est-ce que vous faites ? Oh ! Oh, les deux d'un coup ! Oh, on se régale ! Quelle synchronisation des attaques. C'est dégueulasse, ça. Ça me plaît, c'est quoi ? Journal de Blackwood, les vautours gagnent en audace. Ils sont venus m'attaquer dans ma propre maison. J'ai de solides défenses en place, mais ils ont l'avantage du nombre et ne s'avoueront pas vaincus. Ce n'est pas le genre du roi jaune. Je sais que vous me cherchez, monsieur Reed. La vérité à votre sujet m'a été révélée dès que je vous ai vu, mais les hommes du roi jaune ont confirmé ce soupçon. Je ne peux vous en dire trop dans le cas où ce journal tomberait entre de mauvaises mains. Cela dit, j'ai bon espoir qu'un détective de votre calibre saura comment procéder. Je vais maintenant me hâter de rejoindre mon lieu de pèlerinage avec le sceau de Ctigonard. Ton lieu de pèlerinage.
La haute mer. Je l'ai aimée aussi, avant. Oh, arrête. Tu passes ton temps dans scaphandre, entouré de monstres, et tu le vis très bien. Bien sûr. Tu cries même pas sous l'eau. Tu devrais. Il est hydrophobe, le mec. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'était une mine? Non, ça aurait explosé. Ça n'a pas de sens. Bon, bah c'est bien, mais moi je crois que je n'ai pas fini. Est-ce qu'il m'a mis toute l'épreuve réunie? Je crois pas. Hein. Ah bah t'as, c'était fermé. Bah ouais, la clé de Dagon, la porte de Dagon, on est bien. Petit cheval en bois, bien sûr. Lettre à I Blackwood. Cher Yona, bah Yona d'accord, j'ai examiné avec attention l'objet de votre demande. Hâlas, je crains que vous ayez été quelque peu hâtif dans vos conclusions. Ebernote est un jeune homme intelligent, certes, et doté d'un talent remarquable pour les sciences occultes, mais rien ne semble indiquer qu'il fasse partie des élus. Il ne porte pas en lui la graine du rêveur. Oh. Ne soyez pas trop dur envers lui, il a passé sa vie entière à se préparer pour ce destin, et il aura besoin de votre soutien lorsqu'il apprendra la banalité de sa condition. Je vous conseille de l'envoyer auprès de l'ordre. Je vois en lui un prédicateur prometteur. Cordialement, Portia Marsh. Oh. Il veut virer la graine pour devenir lui-même un élu. Tellement il est obsédé par ça. C'est moi ou elle me regarde? Oh, c'est pas toi. C'est la cacarte. Venez dans la mer, chers membres de la famille. Depuis que mon fils Ebernote s'est avéré être une coquille vide, nous savions que ce jour viendrait. Et maintenant que la fin du cycle s'approche, nous ne pouvons plus retarder l'échéance. Réunissons-nous à la conserverie familiale pour nous enfuir de la ville. Évitez d'attirer l'attention des autorités et surtout... ne laissez aucun étranger vous suivre. Célébrons nos derniers jours en cette ville maudite et partons dans la mer. Laissez tous vos biens derrière vous. Une fois que nous aurons rejoint nos maîtres dans les profondeurs, nous aurons tout ce dont nous avons toujours rêvé. Oh là là, je suis perdu dans le scénar, mais d'une force. Qu'est-ce que... Ah si, hein. Ah, je suis perdu quelque chose de bien. Hein. Ah, c'est ça, à ce niveau-là. Ouais. Vraiment. Bon. Alors, oui, palais de la mémoire. Et détends-toi un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a, là? Nouveau cauchemar, enterrement. Eh bien, on pensait être l'élu. On prend ça. Eh bien, t'as le sceau? Non. Le rituel? Bon, d'accord. Lieu de pèlerinage? Ouais, ok. Catalyseur? Ouais, c'est pas grave. Bon, c'est de la merde. Ouais, c'est de la merde. Et bien, t'as le sceau, le rituel. Comment ça? Le catalyseur? Ah, voilà. Le rituel évolue. Ouais, nécessaire à ce de son rituel, il vient de l'obtenir. Tout à fait. Ça, c'est important, en effet. L'exode. Le rituel et le lieu de pèlerinage? Comment ça, non? Ah, mais non! Non. Taisez-vous, ça va aller. Nouveau cauchemar, ça c'est toi. Bon. Enterrement, le rituel, tout à fait. Ah! Les rituels sont voués à l'échec, les rituels d'Ebernote tuent immanquablement ceux qui s'y soumettent, c'est clair. Le rituel pourrait me sauver. Le rituel d'Ebernote pourrait me débarrasser de la graine du rêveur, maintenant qu'il a toutes les pièces en main. Non, j'y crois pas. Puis de toute façon, pourquoi? Qu'est-ce qu'il veut en faire, surtout? De cette graine, il veut se la foutre dans le fion. Et après, bah voilà, on sait pas. On sait pas. L'exode et le pèlerinage? Ouais, la conserverie. D'accord. Ouais. Sur le lieu d'exil de sa famille, la conserverie de Blackwood. On raconte qu'elle existe depuis l'arrivée de la famille à Oakmont. De plus, elle doit se trouver à proximité de l'eau, dans l'un des quartiers du port. Mais bah tu vois, on progresse. Et c'est de là, vraiment pas. Putain, c'est pourtant... Ah, ça me fait rêver pourtant, hein. Vas-y, fais toutes les combinaisons. Pff, régale-toi. Ouais. C'est bon, on a tout fait. Bon, on n'a plus qu'à aller à la mairie afin de trouver l'adresse de cette conserverie familiale. Lieu de l'exode des Blackwood et lieu de pèlerinage. Des Bernard Blackwood? Ah bah non, on peut pas y aller parce que je suis bloqué. Ah, c'est dommage. Hop là, bien vu, hein, tu es agile. Ah bah, il pleut encore. Comme c'est étonnant.
Allez, trouvons l'adresse de la conserverie. Registre, je sais pas, documents légaux, quartier... Blablabla. C'est près d'un port, hein. Ouais, donc ça serait bien... Putain, j'ai plus les noms. Grimhaven Bay. Oh, le talent! Conserverie Blackwood Marsh, établie en 1973, propriétaire Iona Blackwood. Oh, la mère. La mère de Bernotte. Aldous Marsh. Ah, les marches encore, incroyable. Adresse, croisement de... Bon, bah, très bien. Eh ben, on va y aller. Allez, on va secouer de l'homme-poisson un petit peu. Ça va être bien. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai capté que les rois jaunes, là. Les rois jaunes, bah, c'est le mec qui nous a accueillis quand on est arrivé. Il habille tout en jaune. Puis apparemment, il pèse un peu. Donc, c'est sûrement ça. Hein. Oh, si. Il a son petit gang, sa petite bande. Et lui aussi, il veut le saut. Et on est parti pour lui apporter, on est parti pour le récupérer et lui apporter. Ouais. Alors ça, je suis moins d'accord. Où est-ce qu'on est, là? Ah, t'es au bon endroit. Maintenant, t'ouvres tes yeux. Bah, Blackwood, ouais, bah c'est écrit là. Alors... À qui je parle? Qu'est-ce que je fais? Prenons un petit peu de hauteur. Bon, allez. Eh ben écoutez, c'est parti pour de la recherche de portes qui s'ouvrent. Même celles qui sont pas marquées. Est-ce que c'est ce grand bâtiment là? Bon, il y a des chances, hein. Blackwood, bah ouais. Venez voir mon pesque frais, tout juste pêché, monsieur. On va faire le tour. Et puis on va bien trouver un moyen de rentrer. Bien sûr. Bon, on va même prendre un bateau. Allons-y. Bon, bah voilà, on s'est promené, c'était bien. Si, c'était bien. Ah, carrément un panneau Blackwood au-dessus du quai. Oh, je suis tellement déjà venu ici. J'ai déjà cherché un truc assez longuement, je me souviens. Mais à l'époque, je cherchais pas la conserverie Blackwood. Ça peut pas être par là, c'est pas possible. Allez, fais-toi manger par les murènes. Allez, cours. Cours. Cours plus vite. Cours en nageant. Ah ! Ça va, ça va. Ça va, c'est rien. J'ai un beau manteau. Bien épais. Bon ! Ça va me saouler. Si j'avais ouvert mes yeux... J'aurais vu que c'est le bâtiment de gauche et pas le bâtiment de droite. Donc c'est carrément tout ça, en fait. Et ça a fermé, ça? Comment est-ce possible? Ah, et même ce bâtiment-là, d'accord. Oh là là. Ouais, là, y a rien. Bon, on va tenter l'autre. C'est pas facile tous les jours, hein. T'as pas le droit. Ah non, c'est vraiment pas facile. J'en ai pas, ça. Non. Oh, mais la porte est juste là. T'es passé à côté, mais t'es aveugle. Oh là 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 là. Ils n'ont pas l'air hostiles, hein. Ouais, mais méfions-nous, hein, on est d'accord. Sûr. Et dire que je pensais enfin arriver en premier, pour une fois. Tiens, bonjour, monsieur Reed. Je ne m'attendais pas à vous voir ici aussi. C'est le flic, hein. On se connaît. Vous me blessez. Les rois jaunes savent tout ce qui se passe ici. Y compris vos escapades. Ok, c'est pas le flic. C'est son frère jumeau. J'ai déjà eu affaire avec les manigances de votre gang. Vous vous chargez plutôt de quel créneau? Nous ne sommes que des citoyens inquiets. Et voici justement le genre de situation qui nous inquiète. J'ai cru comprendre que vous aviez perdu quelque chose d'important. Nous sommes ici pour vous aider à le récupérer. Le sceau. Voilà.
pour le retrouver avant que vous ne deveniez cinglé comme tous les autres élus avant vous. D'accord, donc tout le monde est au courant depuis le début, en fait. Ça fait mal. Alors moi, je pensais que la voie jaune, à la base, c'était un truc un peu monstrueux, un peu mystique. Vu que dans notre hôtel, on avait trouvé une lettre d'un mec... Bah là, il y avait le pentagramme par terre, enfin les signes un peu ésotériques, en mode « ça me protégera des rois jaunes ». En fait, c'est des humains. Du coup, je suis déçu. Qu'est-ce que vous avez dit sur les autres élus ? Tous les élus deviennent fous, tôt ou tard. Je sais pas ce que vous faites, mais vous avez intérêt à vous dépêcher. Vous n'y êtes pas immunisé, et de ce que je sais, ça se voit. Alors moi, ce que je ne comprends toujours pas, dans cette histoire, c'est Harriet Daugle. On a retrouvé avec le sceau, donc qui avait été a priori amené là par l'ordre ésotérique de Dagon dans la grotte, là où il y avait Ebernot qui est venu là. Qui voulait la récupérer parce que c'est une élue. Donc, avec ses hommes, il s'est frayé un chemin. Donc, l'ordre ésotérique de Dagon avait amené Harriet ici avec le sceau pour faire quelque chose de super important, on pourrait croire. Et pourtant, on est arrivé et. Et on est reparti avec elle, et puis elle était toute seule, en plus, dans la salle. Je comprends pas. Le sceau et Harriet, je ne comprends pas ce qui s'est passé. J'espère qu'on aura des réponses. Ouais, ce serait bien. Qu'est-ce que vous y gagnez ? Je fais ce qu'on me dit. Et le patron a été très clair là-dessus. Et qui est votre patron ? Il est habillé tout en jaune. Ne vous inquiétez pas, monsieur, il vous trouvera quand tout non. sera réglé. C'est une feinte. Alors on a un compte à régler ou pas ? Absolument pas. Vous êtes là, alors faites ce que vous avez à faire. Laissez-nous faire notre boulot de notre côté. Si Ebernot Blackwood monte sa face de poisson, nous le ferons taire pour de bon cette fois. Mais attends... Vous en faites pas. Mais attends, je vais lui parler, moi. Oh là là là. C'est incroyable. Allez-y, monsieur Reed. Fouillez donc. Ouais, bon, j'en ai pour une demi-heure. J'espère que vous êtes pas pressés, les gars. Hein. On vous couvre, monsieur Reed. Putain, c'est ma bande. Trop bien. Ne vous en faites pas. Je reste ici. C'est très rassurant. Bon. La porte refuse de bouger. Très bien, ça fera ça de moins à fouiller. Alors passons directement aux choses sérieuses. Il a son petit pupitre. Hein. Ah, et Bernard Blackwood. Monsieur Blackwood, je vous remercie de votre générosité. Chacune des conserves de poissons que vous avez fait livrer nous sera d'une grande aide. En ce qui concerne votre demande portant sur les cas récents d'hallucination collective, sachez que la confidentialité de nos patients est une de nos priorités, mais que nous consentons néanmoins à faire une exception pour votre noble personne. Je tâcherai donc de vous relayer toutes les informations pertinentes à ce sujet. J'estime cependant qu'il est de mon devoir de vous poser cette question, monsieur Blackwood. Quel intérêt portez-vous à ce phénomène ? Docteur Palmer ? Docteur Palmer, docteur Moustache ? Toujours lui. Il pèse. Alors qu'est-ce qui se passe ici ? Ah, la pile de livres ? D'accord. La clé de la cave ? Ouais, on est bien. Encore un truc ? Ah. J'ai de la chance que ces pourritures aient laissé leurs notes avant de fuir. Tous les élus sont marqués dedans. Ok, donc l'ordre de Dagon, les pourritures, palais de la mémoire, calme-toi. Oh, on s'est fait un petit gueuleton, c'est bien. On dirait que la réunion a pris fin brusquement. Mais non, ça c'est l'ODE ça. L'OED, c'est l'ordre de Dagon ça, ce signe. Mais ouais, mais dans la maison d'Ebernot aussi. Alors, il est en mode, on remarque qu'il travaillait pour l'OED à la base. Ouais, bon... Oh là là, c'est beau ça. Les hommes poissons. Des profonds, complètement mutés. C'est vrai qu'on en a pas vu encore. Est-ce qu'on en verra ou est-ce que ça va se cantonner aux 4 monstres et aux 2 monstres sous-marins ? Mystère. Quoique non, on a quand même eu un mini-boss là. La fille du seigneur des bois. Elle a grillé. Non, ça va, tout va bien. Ouais, un squelette. Sympa. Vous avez des cours de biologie ici ?
Oh ! Ah, mais le sceau est là, comme ça. Trop facile ! Ancienne prophétie, depuis la nuit des temps et avant l'âge de l'homme, Stigonard s'étend loin sous la terre. C'est dans cette prison d'horreur que repose la fille cachée du rêveur, condamnée à jamais en ses murs. Mais il existe ceux qui sont désireux de libérer sa fille si la graine du rêveur lui était seulement transmise. À chaque tournant du cycle, ceux qui portent la graine sont conduits à Stigonard, mus par de terribles visions. Le sceau de Stigonard ouvrira la voie, nombreux seront ceux qui essaieront et périront. Quand les étoiles seront alignées et que le rêveur ébranlera son domaine, l'élu accomplira sa destinée, sa fille sera libérée et de son giron, le rêveur naîtra à nouveau. D'accord. D'accord. Donc les élus peuvent refaire venir Stigonard à la vie par le biais de sa fille, en libérant sa fille. Ouais, d'accord. Et les élus peuvent aussi empêcher tout ça. C'est ça, hein. Quels bruits étranges! Très perturbant. Alors! Nouveau cauchemar, les élus perdent la raison? Ça a l'air bien. Si je ne me débarrasse pas de la graine sous peu, je deviendrai complètement fou. Comme les autres élus. Alors! Les rituels sont voués à l'échec. Les rituels des Bernotes tuent maintenant ceux qui s'y soumettent. On a déjà fait ça. Le rituel des Bernotes pourrait me débarrasser de la graine du rêveur maintenant qu'il a toutes les pièces en main. Ouais, on a dit, vas-y, fais ça. Ouais, j'ai envie. Surveillance des élus. Ouais, surtout les élus. Bon, bah, ça. Ouais, Bernard Blackwood souhaite libérer ceux qui portent la graine de leur fardeau maudit. J'ignore pourquoi ni comment. Ah, ça ouvre des choses, là. Et Bernard lutte contre la malédiction. Ouais, d'accord, on l'a déjà vu. Alors, et ça fait quoi tout ça? Ça fait des croisements. Croisements de folie maintenant. Et Bernard peut me libérer de mon mal. Et Bernard Blackwood a créé un rituel capable de libérer les élus de leur malédiction. Il s'est emparé du sceau de Stigonard et prétend qu'il s'agit de la dernière pièce manquante. C'est peut-être ma seule et dernière chance de me sauver de cette folie. Je dois retrouver Ebernote. Ouais, j'ai envie de faire ça. Parce que moi, je suis pas fan de... Voilà. Je veux plus plonger dans ce scaphandre. Je veux qu'on me foute la paix. Donc on va faire en sorte qu'il nous aide. Et on y croit. On y croit à mort. Ah bah, il est là. Tout va bien. Vous voilà enfin, monsieur Reed. Je commençais à me dire que j'y étais allé un peu trop fort. Vous avez une drôle de façon de faire des avances. Vous n'êtes pas en reste non plus. J'espérais pouvoir parler avec vous. C'est la moindre des choses, après avoir ramené cette racaille avec vous. Alors oui, il m'a sauvé, c'est vrai. Pourquoi êtes-vous ici? Je n'ai pas invité à rejoindre. D'abord, on va commencer par se défendre, bien sûr. Cette racaille était là quand je suis arrivé. Dites-moi ce qu'ils cherchaient. Ils sont un... désagrément qui me poursuit depuis un certain temps. Je ne connais pas leur chef, mais ils semblent déterminés. Et c'est pourquoi vous les avez massacrés? Ils voulaient ma mort, je me suis défendu. Ayez regardé de plus près, monsieur Reed. Vos mains ne sont-elles pas souillées de la même façon? Moi, absolument pas. Toujours en légitime défense, moi. Vous m'avez sauvé la vie au temple de Dagon. Pourquoi? Comment aurais-je pu faire autrement? J'avais deviné que vous étiez un élu, vous aussi. Nous suivons la même voie, vous et moi. J'ai fait preuve d'assistance envers un compagnon de voyage, ni plus ni moins. Mais tu n'es pas un élu. Oh, ça me rassure beaucoup, ça. T'es un ringard. On m'a dit que tous les élus deviennent fous. C'est vrai? Tous, sans exception. Aucun être humain ne supporte la malédiction. Mais moi... j'étais destiné à porter ce fou. Oh, il avoue direct! Ce devait être le mien, et pourtant, il se refuse à moi. Bah déjà, il est franc, j'aime ça. J'aime ça. Vous êtes ici en pèlerinage, alors? C'est ici que ma famille se rassemblait jadis, avant de descendre dans les profondeurs pour ne plus jamais voir le soleil. Ils m'ont laissé ici en guise de punition pour m'être avéré décevant. Je n'avais pas la malédiction qu'ils souhaitaient. Comme si je n'étais bon qu'à ça. C'est dur. Je prends le sceau. Ah bon? Je ne vous laisserai pas le sceau. Ah d'accord, donc... voyons. Donc les choix, rien à foutre, quoi. Un peu de tenue. Vous en savez assez maintenant pour comprendre ce que ça signifie. Ah. Laissez-moi vous faire une offre. D'accord, tu me rassures. J'ai été élevé dans ce but. J'ai attendu toute ma vie pour ce moment. Je suis un élu. Je suis l'élu. Permettez-moi de vous soulager de ce fardeau. Ah, mais je viens de penser.
S'il devient élu, il va faire des conneries, lui. Bah, il va libérer Stigonard. À tous les coups, bah, c'est un homme poisson. Malgré son visage avenant, n'oublions pas. C'est un homme poisson du menton, quand même. Puis un peu des yeux. Me tuer, vous voulez dire? J'ai découvert votre petit charnier dans la cave du manoir. Autant de clients satisfaits, j'imagine. Oui, certes, il y a eu des complications au début du rituel. Mais désormais, Ctigonard lui-même guidera. Ah ouais, voilà. Ah, on dit Ctigonard. Être plus clair, Blackwood. Je peux extraire la graine du rêveur qui est en vous. Je porterai ce fardeau jusqu'au fond des abîmes stygiens sous la ville. Et vous serez libre. Libre de m'aider dans cette quête d'égal à égal ou de fuir la ville. Mm-hmm. Avec toute votre raison intacte. Ce marché m'intéresse. N'est sûrement pas aussi simple. Rien de tout cela ne fut simple. J'ai donné tout ce que je possédais, tout, pour me trouver ici. Je sais que c'est mon destin, notre destin. Vous pouvez être sauvé, Monsieur Reed. Laissez-moi vous aider, je vous en prie. Ce n'est pas la fin de votre voyage. Bon, écoutez, hein, moi je suis venu à la base pour aller mieux, hein, pour plus avoir de vision, donc allons-y. Puis il a l'air bien, si. Puis de toute façon, on va l'accompagner. Puis s'il fait des conneries, on le tuera. Ouais, on va faire ça. Si c'est le seul moyen de rester sain d'esprit dans cette ville maudite, j'accepte. Ah, oh, Charles. Sage et courageuse décision. Bah ouais, carrément. Je vous en prie, allongez-vous sur l'autel pour que nous puissions commencer. Mais il a quoi, le mec derrière, hein? Il est recouvert de... J'ai accepté le rituel. Ça, c'est bon, ça. Si, ça va être bon. N'ayez pas peur, ça va bien se passer. Faut que je m'allonge quoi? Où? L'hôtel? Attends, je prends ça d'abord. Ça a l'air bien. Ah! J'en suis où de mon inventaire? Je vais voir un petit peu. Bah, je suis au max de munitions partout. C'est beau. C'est en bas, je suppose. Oui. Voilà, c'est là. Allez hop! J'espère qu'on va s'en sortir quand même. C'est vrai que c'est pas gagné cette histoire. Oh oh. Ah, il voit l'avenir. Il voit que j'ai remis mon ancien costume et que je suis plus fort que lui. C'est bon, t'es dans l'eau, t'es un homme poisson. En sortir. Alors, ah, il est mort. Super. C'est-à-dire qu'il est mort dans la... Il est mort dans la vision, donc il est mort dans la vie. Putain, c'est bon. Ah, je suis déçu, mince. Oh, bon Dieu. Pauvre, pauvre fou. C'est-à-dire parce que, en fait, le roi jaune, on va l'appeler le roi jaune, hein, le diable, Satan. Satan jaune. Je sais plus comment il s'appelle. Johansen. Bert. Enfin, un hollandais, là. J'ai pas confiance. Non, j'ai pas confiance, mais on va être obligé d'aller le voir. C'est chiant. Il s'est fissuré sous mon poids. Waouh. Je pourrais perdre quelques kilos, d'accord, mais quand même. C'est étrange. Tu es tellement musclé, Charles! Alors, on va voir ce qui s'est passé. Imbécile! Celui-ci est hors de ta portée. Ton chemin s'arrête ici. Oh là, merde, je suis bloqué. C'est qui ça? Ah. C'est un mec qui commande au monstre. Charles, non. Que faites-vous? Ah d'accord, c'est moi. Sur l'autel. Ouah, je suis tellement l'élu, putain. Je suis l'élu puissance 10 000. Mkouk. Rlou. Avnyar Ektungli Yrlulu. L'élu! L'élu unique! Les autres ne sont que de pâles copies. Des brouillons! Celui-ci est hors de ta portée. Ton chemin s'arrête ici. Quelque chose en moi a résisté au rituel, a pris possession de moi et je. J'ai tué Ebernot de mes propres mains. C'est dur. Le rituel a mal tourné. Ouais. On peut le dire. Bon, j'ai pris le saut, hein. Bien sûr.
J'ai eu toutes les preuves récupérées ou pas? Alors, Vanderberg, oui, Vanderberg, voilà. J'ai récupéré le sceau, ouais, bon, bah, faut que j'aille ouvrir son théâtre, Vanderberg, d'accord. Je n'ai que ça à faire. C'est un peu triste. Ouais, oh, et Bernot, ouais. On saura jamais trop ce qu'il voulait, hein. Enfin, ouais, j'en sais rien. Je comprends des trucs, mais il y a d'autres trucs, je suis pas sûr. Donc je vais me taire, hein. Oui, c'est mieux. Laissons le jeu nous dévoiler son intrigue. Espérons qu'on ait des vraies réponses. Parce que c'est pas que c'est pas clair, mais c'est qu'il y a des... Je sais pas, il y a des petits trucs qui vont pas, je trouve. Les motivations... voilà, motivation profonde, j'ai envie de dire. Où est le... Ah. Je sélectionne, peut-être ça sera mieux. Hop. Je l'avais mis sur ma carte où était le théâtre. D'accord. Il était près de la bibliothèque, je crois. D'accord. Bon, super. Voilà, c'est ici, à la frontière entre Advent et Red Gates, après l'université. Il n'y a pas de point trop proche. Je vais aller là. Et aussi une question qui me turlupine. Qui est Stiglar? J'ai jamais entendu parler, quoi. Ça ressemble vaguement à Cthulhu, les effigies, mais... Mais est-ce que c'est vraiment lui? Il a une tête pleine de tentacules. Mais dans l'univers de Lovecraft, c'est un peu... C'est pas spécialement un signe caractéristique. Oh, on va traverser par là, hein, c'est une bonne idée. Ouais, c'est une très bonne idée. Lampadaire marche, on est bien. Du monde. Il y a du monde. Oh bah, et plus personne. Ah si, ils arrivent. Ah les ringards. Je jetterai bien une grenade pour me foutre de leur gueule. Mais on va les économiser. Sympa l'ambiance là, j'aime bien. Secours à Londres. Bah voilà, t'es déjà dessus. Ah, police line, do not cross. Me dis pas qu'on va encore arriver et que tout le monde va être mort. Ou disparu. Qu'est-ce que Johannes a bien pu faire? C'est incroyable ça. Ils sont tous fous dans cette ville. La porte refuse de bouger. Ah, c'est chiant. Oh merde. Attends, mais t'as pas le droit. Non, t'as pas le droit, je t'assure. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, des rétros. Mais meurs! Merde. J'ai dit meurs! Est-ce que tu peux. Voilà, taper des monstres. Merci bien. Oh merde. J'aurais jamais dû regarder cette barrière. Ça a invoqué des créatures infernales. J'aurais dû m'en douter, bien sûr. Ah oui, à bout portant, ça fait très très mal. Mais vraiment. Pourtant, j'estimais que j'étais à une distance assez proche. Et non, à bout portant, ça ne pardonne pas. Écoutez, c'est bon à savoir. Oh là là, grenade, cartouche. Grenade dans la poubelle, quoi. On se régale. Ça doit porter malheur de voir un policier mort. Bon sang. Mais non, ça va bien se passer. C'est quoi ces poubelles? Poubelles, c'est des coffres trésors, quoi. Excellent! Alors, on va faire des petites munitions. On va se mettre bien. 4 grenades, ça on peut pas. Bon, bah voilà, on s'est mis bien. J'ai pas un point d'aptitude. Oh, j'ai un point d'aptitude à mettre. On avait dit quoi? On avait dit la santé mentale éventuellement? Parce que dégâts de chute. Ouais, c'est marrant, mais bon. Santé mentale, j'ai déjà plus 15%. Écoutez, ça suffit. Ça suffit comme ça, hein. Ouais, ça suffit. On va prendre dégâts de chute, parce que là, les pièges, on s'en tape. Ouais, dégâts de chute. Génial. Ça va beaucoup me servir, je sens. Ouais, si. Alors, attends, là, faut bien viser. Et tu sais bien que. C'est dur. Ah, tu l'as eu! Je t'ai présenté mon pistolet. Oh, mais putain, mais il est mort, mais c'est une blague! Non, mais les gars, arrêtez là! Point de connaissance direct. Bon, on va le mettre tout de suite. On peut. Comment voulez-vous qu'on comprenne quelque chose? Tout le monde meurt. C'est vrai, quoi. Vas-y, prends max d'esprit. Esprit éblouissant, ouais, t'es éblouissant, Charles.
Comme ça, tu sauveras peut-être à l'aventure, tu n'auras pas fou. Défense légitime, bon. Il semblerait que quelqu'un ait essayé de l'aider, mais en vain. C'est quoi, bandage? D'accord, prends mes soins. C'est pris combien? 1, 2, 3, 4. C'est des balles. C'est même pas fait bouffer par un monstre. 3 balles dans le ventre, une au travers du cœur. Mort sur le coup. Double bien. C'est quoi ça? Répétez le verset après moi. Gnai liao gnog nglui ashtur tharanak en gebunma. Astur? C'est un grand ancien ça. Vas-y, répète ça. Monsieur, c'est trop dur. Ou alors il a pas voulu répéter, il a fait tu me saoules, je te tue. C'est un téléphone? Les taches de sang sont encore fraîches. Mmh. Ce téléphone a récemment servi. Intéressant, intéressant. Bien vu, bien vu. Bon, on va passer... Ah non, il y a un truc. Où ça donc? Ah, c'est ça encore. On a déjà fait. Alors... Société philosophique des aires curieuses, réunion à l'étage. Excellent. D'accord. Ah, j'ai même pas vu que c'était éclairé par des projecteurs. Belle mise en scène, hein. Car ce monde n'est qu'un spectacle d'ombre et de lumière éclipsé jusqu'au néant dans le couloir sans fin des perspectives et projeté par les reflets d'innombrables miroirs. La drogue. L'humble serviteur, théurgie des mathématiques. Ouais, mais lui, il écrit des livres qui rendent les gens un peu gaga, hein. Faut faire attention. Le philosophe inconnu, sélection de maximes et d'aphorismes. D'accord. Je sais même plus ce que c'est un aphorisme. Pierre de Lalande, répercussion et réflexion. Ok. Pierre de Lalande, français. La monade, j'ai déjà lu un de ses livres. Le pouvoir ultime de transformer le mot. Ainsi, quand elle est ajoutée à un chiffre impair, elle se métamorphose en pair et inversement. Ouais, ouais, bien sûr. La monade. Ouais, Père Lalande, on avait cherché un de ses bouquins à la bibliothèque, quelqu'un l'avait emprunté, je crois. Un nom, Comme notre existence matérielle n'est pas la vie, notre destruction matérielle n'est pas la mort. Oh putain, c'est magnifique. C'est magnifique, mais ça ne m'avance absolument pas. Et ça, c'est bien dommage. Bon, on va retourner en bas, hein. Ouais, parce que là... Rien de rien. Non, j'avais cranté un truc. Tout va bien. 4, ah bah il y a des numéros. Facile. À qui est ce chapeau? Portez ceci. Tuez Vanderberg et votre femme chérie s'en sortira indemne. Ah bien sûr. Bah tu quelqu'un, tiens, prends ce chapeau. Ah ouais, ça arrive souvent. Bon, on a tout là, hein. Alors, deux, bah non, oui. Cartouche de calibre 38, le même que j'utilise. Coïncidence? Je ne pense pas. 1, 2, 3, 4. Là, on a tout, d'accord. Entrez donc, mon ami. Laissez-moi vous accueillir dans mon humble demeure. C'est le mec avec qui il a fait la cérémonie, là? Voilà, il s'enfuit parce qu'il a tué le mec. Vous ne voyez pas que nous sommes en pleine séance? Ah. Qu'est-ce que... D'accord. Ah. Un, deux, trois, quatre, cinq. Ouais, tirer une balle dans le vent. Allô, la police? On vient de tirer sur Monsieur Vanderberg. Envoyez quelqu'un. Ok, voyons ce qui s'est vraiment passé ici. Attention, ça va être difficile. Ah, il a pas de chapeau, lui, voilà. Hop là. Entrez donc, mon ami. Laissez-moi vous accueillir dans mon... Vous ne voyez pas que nous sommes en pleine séance? Qu'est-ce que... Pan. Là, il se barre. Et l'autre, il appelle les secours. Allô, la police? On vient de tirer sur Monsieur Vanderberg. Envoyez quelqu'un. Johannes Vanderberg était en compagnie d'un invité quand le tueur est arrivé et lui a tiré dessus. L'autre a survécu et a appelé la police à l'aide du téléphone. Ouais. Le témoin du meurtre. Mais où est-il? Allons le chercher immédiatement. D'abord, soignons-nous, on a oublié.
Allez, encore. Oh. Ah ouais. Ah ouais. Et t'en refais. Tac, tac, parce que t'es riche. Allez, c'est bon. Du coup, attends. Voilà, on peut encore en ramasser. Oh. Que se passe-t-il? On bouge plus. Oh non, non. Mais non, pas moi. Quoi? Pourquoi?